Le PSG s'est imposé 2 buts à zéro contre Nice, les gars. Et on a vu un grand Messi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de Lyon Messi. Mais avant de commencer, c'est me vidéo qu'on va traverser cette vidéo ici. Non, on parle de foot. Mais si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si Alors, le PSG s'est imposé 2 buts à zéro et on a vu un grand Lyon Messi, les gars. Un but, une passe décisive à ce jour à Ramos. Franchement, moi, je suis content pour lui au Messi parce que c'est un mec qui a sauvagement été critiqué par la presse au point même où les dirigeants ne veulent même plus le prolonger. On ne, on ne lui fait plus confiance. Tout le monde tombe dessus. Tout, tout le monde tombe dessus. J'avais dit, ici, si la Messi, ce n'est pas le plus pire. Messi, ce n'est pas le plus pire de ce qui arrive au PSG. Il y a plus pire. Parce que lorsque tu regardes les performances euh, du PSG ces derniers temps, franchement, le problème n'était pas Messi. Voilà, hein. Kylian Mbappé qui est transparent depuis au moins 3 ou 4 matchs. Il est transparent. Personne n'en parle. Je ne vois pas les médias dire que non, Kylian n'est pas bon et tout. Mais quand Messi n'est pas bon, un hein, seul match, seulement, les gars. On le critique, les gars. On le critique violemment. Est-ce qu'il mérite ça? Donc franchement, apprenez à respecter Messi. Messi, c'est l'incarnation du football. C'est l'incarnation du football. Il faut respecter ce mec. Ce que ce mec fait sur le terrain, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc voilà ce que je voulais partager. Demandez-vous en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Déjà à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.